light will show on you. If you forget my name, you will go astray like a killer whale. Sandra, comment a commencé ta carrière musicale ? Je suis autodidacte et j'ai commencé il y a quelques années maintenant. D'abord, j'ai commencé par faire du théâtre. Et c'est vrai que mon rapport à la scène a été tout de suite très, très fusionnel. Et à partir du moment où j'ai mis un pied sur la scène, j'ai eu la sensation que j'étais chez moi. Et j'ai eu cette chance de pouvoir accompagner d'autres personnes. Et en faisant ces projets-là, je me suis dit que c'était bien de construire ma propre maison. Donc j'ai commencé à écrire mes chansons. Là, j'ai déjà écrit et composé et produit 3 albums. J'ai eu une victoire de la musique, j'ai fait pas mal de collaborations. Et en fait, moi, ce que j'aime dans ce trajet d'artiste, c'est de toujours se rappeler que pour moi, la musique, c'est pas une finalité, c'est vraiment un moyen de faire en sorte que les gens soient en contact, en relation, et qu'on questionne ensemble notre rapport au monde, comment on peut l'améliorer. L'altérité, la singularité, c'est vraiment des thèmes qui traversent régulièrement mes chansons et mes créations. Comment définis-tu ton style musical ? Il n'y a pas très longtemps, j'ai participé à un projet collectif qui s'appelle Tribe from the Ashes, qu'on a écrit pendant le confinement et qu'on a sorti là au mois d'octobre. Donc s'il faut parler de styles musicaux, moi quand j'écris de la musique, je ne me pose pas tellement la question du style. Donc je ne saurais pas dans quelle case me mettre, et je ne crois pas qu'il faille me mettre dans une case. Mais certains me mettraient dans le jazz, d'autres dans la soul, d'autres dans la pop, ça dépend. Et je crois que c'est à la croisée de tout ça, avec de la chanson, avec toujours la voix au centre. La voix comme instrument fondateur, qui à la fois est un instrument magique parce qu'on peut le trimballer partout, mais qui est aussi un instrument de sensibilité particulière, parce qu'on a toutes et tous une signature vocale très singulière, et que donc ça dit tout de nous. Et donc il faut être prêt aussi à accepter que les autres aient accès à ça. Tout à l'heure, tu seras sur la scène du Sakifo en acoustique. Je vais présenter un projet qui s'appelle Elle. Nous sommes un trio, donc avec Paul Collomb au violoncelle, Jidru à la flûte traversière, et ils chantent aussi les deux, et moi au chant et à la guitare.
et Elle, ce sont des chansons écrites et composées, produites par des femmes. Donc voilà, c'est un projet à la fois engagé pour moi, féministe, mais aussi sensible, parce que c'est un projet qui est sans rythmique. Et c'était une manière de rendre hommage à toutes ces femmes qui ont accompagné mon chemin de vie, mais aussi mon chemin de musicienne. Et en les voyant faire, quand j'étais plus jeune, en entendant ces chanteuses et ces musiciennes, quelque part, je me suis sentie autorisée à le faire. Et elles le faisaient de manière singulière. Donc dedans, il y a Nina Simone, il y a Laura Marling, il y a Björk, il y a plein de chanteuses dont on va dire que les univers artistiques sont très différents, mais qui, moi, me touchent au même endroit. C'était voilà, une manière de leur dire merci. Il y a aussi des compositions, mais essentiellement des chansons de ces femmes-là. Now that my heart is open, it can't be closed. Vous avez le droit de taper dans les mains. Are broken. Love came here and never left. Love came here and never left. Now I'll have to live with loving you forever. Although our day. Comment rester soi-même lorsqu'on est sur scène? Alors ça, c'est vraiment un adage de mon grand-père qui m'a transmis, c'est comme un peu un mantra que je me répète. Lui, il disait la sincérité pour ruse suprême. C'était sa manière à lui de me dire, quel que soit le chemin de vie que tu vas choisir, fais-le avec ton cerveau numéro un, c'est-à-dire avec ton cœur, avec tes tripes, avec ton envie. Et donc, voilà, il faut vraiment faire les choses avec sincérité. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas changer dans 10 ans. Mais au moment où on est en train de le faire, on est dans quelque chose qui est juste, qui est honnête. Alors évidemment, quand on va voir quelqu'un sur scène, il y a ce qui s'appelle de la mise en scène. Bien sûr, c'est mis en scène, mais on met en scène une forme de vérité. Et je pense que c'est ça qui permet déjà que nous, on soit dans une générosité totale, mais aussi que ça soit transmis et accueilli par les autres. There's nothing here to throw away. I came to you in the light of day. Love came here. Never left. Love came here and never left. Love came here. On se l'attente? And never left. C'est ça. Love came here and never left. And never left. Oui, c'est ça. And never left. Love came here. Chantez comme si personne ne vous écoutait. Never left. Oh, 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 oh. Love came here. And never left. Never, 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 never. Love came here. Never left. Comédienne, musicienne, chanteuse, la voix est ton instrument premier? En fait, je pense que mon instrument premier, c'est pas ma voix, ce sont mes oreilles. Et on a souvent tendance à focaliser sur les cordes vocales qui nous permettent de produire le son vocal, mais en fait, c'est un instrument qui n'a pas de frette. Vous voyez les petites barrettes qu'il y a sur les guitares. Et donc en fait, notre instrument numéro un, c'est les oreilles. Donc il faut faire très attention à ces oreilles, mais il faut faire aussi attention à tout notre corps, toute l'enveloppe, parce que ce qui va impacter notre corps va aussi impacter la voix. Donc ça peut être la fatigue, ça peut être la maladie, ça peut être des angoisses, ça peut être... Éventuellement, quand on est dans des projets que l'on ne défend pas à 100%, donc dont on n'est pas en accord avec les valeurs, par exemple, ça peut avoir une incidence sur la voix. Donc, pour moi, le travail, il est à la fois très factuel sur le travail de la technique vocale, de chanter régulièrement, de savoir s'échauffer, la technique vocale pure, mais aussi tout le reste. Toujours se rappeler pourquoi on fait de la musique et pourquoi, en deux mots, donc dans quelle finalité, dans quelle intention, qu'est-ce qu'on a envie d'y mettre, à quel moment ce que l'on fait est en adéquation totale avec la personne que l'on est et n'est pas une posture. Parce que quand on se retrouve dans un projet artistique qui est une posture, et ben en fait on va à contrario du geste artistique et du geste vocal, et donc des fois ça peut créer des tensions. C'est souvent comme ça d'ailleurs que certaines personnes se cassent la voix, comme on dit. C'est pas que un problème de mauvais placement de la voix, ça peut arriver, mais c'est aussi souvent parce qu'il y a conflit entre l'esprit, le cœur et le corps.
fais battre ton tambour. Fais-moi danser. Qu'il sonne ton tambour. Jusque dans mes pieds, je sens les larmes qui montent. Mais je vais pas pleurer. Je sens ma peine qui gronde. Je vais la chanter. Come and take my pain away. Come and take my pain away. Et cette période qui s'écoule, comment l'as-tu vécue? Cette période, elle n'est pas terminée encore, même si bon, on n'est plus tout à fait enfermé comme l'année dernière, mais elle a induit beaucoup de questionnements parce que ça n'a fait qu'accroître les tensions sociales et les inégalités, et que moi je suis un animal social et que je ne peux pas faire comme si je n'étais pas impacté par ça dans ma vie. Et comme on était enfermé, on a essayé de rester créatif parce que c'est tout ce qui nous reste. Rêver, penser, essayer de construire mentalement un monde meilleur. Donc on a écrit beaucoup de musique. Vraiment, ça a été une année et demie à la fois de beaucoup de musique pour des albums, pour d'autres personnes, pour des films, mais aussi juste de la musique pour de la musique. Ce projet, elle, est né et on avait envie de quelque chose, d'un moment de musique qui ne deviendrait pas un disque, donc qui serait un geste musical que sur scène, que de la musique vivante. Pas de geste commercial avec. Et un projet qui soit sensible, sans rythmique, qui puisse parler des failles, des personnes qui sont bancales, des personnes qui sont lentes, des personnes qui sont fragiles. Justement parce qu'on est dans une période où il n'y a pas de place pour la fragilité, il n'y a pas de place pour la lenteur, il n'y a pas de place pour la douceur, il n'y a pas de place pour la bienveillance. Or, on en a besoin, fondamentalement. Je disais, je suis un animal social et que moi, je prends vraiment mon métier de troubadour à cœur. C'est important. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas politicienne et tant mieux. Mais par contre, mon travail et mon engagement dans ce métier-là, il est très important. Et j'ai mesuré l'importance de nos métiers aussi dans le fait que ça nous permette de créer des espaces de rencontre avec les gens et qu'on en a été empêchés. Et aussi, ce que j'ai appris, c'est de ralentir. Quand il y a eu on a appelé ça la reprise, j'ai eu du mal à reprendre et j'ai encore du mal à reprendre. Mais je pense qu'en fait, j'ai pas envie de reprendre comme avant. Parce qu'en fait, ça va trop vite. On va trop vite, on est trop dans l'instantanéité, on ne prend pas assez le temps de prendre du recul, de poser vraiment des débats, vraiment d'argumenter, d'écouter l'autre, de respecter sa parole. Donc voilà, j'essaye de, même si c'est une période qui était violente, de garder les quelques points positifs et lumineux que ça m'a apporté, vraiment de prendre le temps. Est-ce que la voix s'entend jusque dans les pieds? Est-ce que la joie se lit dans les corps? Est-ce que vous êtes là ou quoi? Saint-Benoît, Beaulieu, soleil lève à la mer. Où accouche la montagne, la menthe au milieu des pitons. Des démons ou l'amande des lanceurs. Manina mongaya mama la réunion. Manina mongaya mama la réunion. Hey, hey. On voulait vous dire un énorme merci. Ça fait plaisir d'avoir traversé tellement de kilomètres pour arriver jusqu'à vous. D'avoir bravé le vent, la mer, le feu, le virus. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey.
une conclusion. Dédé mon roulement, Dédé lance, Manina Magaya, Mama, La Réunion. Sandra Kaké, elle est là, La Réunion, elle est là, Sakifo, elle est là. Prenez soin de vous et à bientôt.